Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Udyr Jungle. On est avec une Illaoi, un Vladimir, un Kog'Maw, une Lulu contre Jax, Vi, Azir, Draven et Thresh. Je viens de passer en plat 3, donc là je suis en plat 3 0 PL. C'est pour ça que je joue Udyr. Normalement, c'est avec lui que j'ai les meilleures chances de gagner pour essayer de ne pas, pas repasser en plat 4 en cas de défaite. Bon, vie, ok, c'est pas le match-up que je préfère, mais il n'y a pas non plus de difficulté particulière pour moi. Je dirais qu'on est à peu près équivalent en termes de puissance de jungle et d'affrontement. Vie, ça peut quand même m'embêter un petit peu, mais bon, voilà, c'est pas mon plus gros counter non plus. Est-ce que ça veut invade? A priori, pas tant que ça. On va jouer safe, on va aller tranquillement chercher les objectifs. Illaoi top contre un Jax. Ok, j'espère que ce sera une Illaoi qui va bien écraser la lane, que je puisse m'amuser sur le reste du terrain. Parce que Jax, ça va être un petit peu galère à gank. Je pense que là, je vais devoir faire un focus plutôt sur la bot lane. Éventuellement le mid. Bon, Azir, c'est assez mobile, mais je pense que la bot lane, ça va être intéressant d'aller les chercher. Kog'Maw Lulu, il me semble que c'est un truc bien pété en ce moment. Je sais plus, j'en avais parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Bon, mais J'espère qu'ils vont être à la hauteur de la puissance du duo. C'est sympa ce skin sur Lulu, j'aime bien. Je trouve ça plutôt stylé. Ouais, je crois qu'il y a beaucoup de smurfs en face. Hein. J'ai regardé le Elo, ça avait une tête bizarre. Mais bon. Ça me fait pas peur. En fait, je me suis fait la réflexion les dernières parties. À chaque fois, je regarde un petit peu le Elo avant. Et très souvent, en fait, quand il y a du smurf, je me dis oui, bah on va peut-être pas y arriver, ça va être dur, etc. Puis en fait, c'est pas du tout. Les parties les plus difficiles, enfin il n'y a pas vraiment de lien en fait entre Smurf et pas Smurf, c'est un peu bizarre. Donc il faut pas trop se focaliser sur les win rates qu'on voit affichés des fois, je trouve que c'est plus trompeur. Et ça peut mettre dans une mauvaise disposition psychologique par rapport à la partie alors qu'il n'y a pas tellement de quoi s'inquiéter quoi. Voilà, c'était la petite réflexion du jour. Hop. Si je pouvais aller quand même donner un kill au top, ce serait bien. Je pense que je vais pouvoir me permettre de jouer quand même assez agressif dans la jungle. On va voir. Ah! Dommage. Je m'attendais à avoir une botlane qui faisait un doublé au bout de 3 minutes. Malheureusement, j'aurais pas cette chance apparemment. Bon, on va essayer d'économiser un peu les points de vie. Et je pense qu'on peut aller choper le Jax. Hein. Il faut juste que je temporise bien mon gank par rapport à la vague de sbires. Ça, c'est très important. Je vérifie qu'il n'y a pas une petite vie qui m'attend de cachet. Hop. Toujours la gestion des postures sur Udyr pour avoir un bon équilibre entre la vitesse de farm et les points de vie avec lesquels on termine le clean. Ça c'est très important sur Udyr, la gestion des postures comme ça, tous ceux qui le jouent un peu comprendront très bien. J'ai encore mes deux popos. Ok, je peux venir mais apparemment il n'y a pas trop de raison. Plutôt aller check le carapateur. Il faut qu'on trouve une petite vie ou un truc comme ça. Ok, il doit être là. Là, je suis bien, j'ai eu un clean de jungle plutôt rapide. J'ai tous mes PV avec. Oh, le mana que je récupère là-dessus, c'est vraiment chouette. Je pense qu'on peut aller chercher le Jax là. Ok, il vient de lui sauter dessus. Est-ce que je vais pouvoir le choper? Est-ce qu'on n'aurait pas un petit doublé pour commencer cette partie, les amis? Ben voilà. Ah là là, qu'est-ce qu'on s'amuse en plat 3? Bon bah go plat 2, hein. Excellent. Allez, on va essayer plutôt de counter un petit peu la jungle, de voir s'il y a des choses à récupérer, même si j'en doute, franchement. J'avais un petit problème de mana. Et ben écoutez, j'ai récupéré un bleu. Je suis ravi. Bien joué, les gars. C'était vraiment cool. Bon, Illaoi est tombé quand même, je crois. Ah non, même pas, elle a survécu. Elle a pris l'Ignite, bon là normalement elle est très bien, ça me laisse parfaitement le temps de rentrer et d'aller chercher mes petits items et d'aller rush le Drake ensuite. Je vais prendre ça avec peut-être une pink. Je vais essayer d'aller les aider au bot pour pas qu'on ait un Draven qui finisse à 40-0, hein. On connaît les Draven Fed.
C'est un plaisir. Ok, ils me disent qu'ils sont bien. Ça se présente quand même pas mal tout ça. Faut vraiment, voilà, là il y a juste la botlane qui m'inquiète, sinon on n'aura pas de soucis, je pense. Oh là là, ça server extend à fond. Oh putain! À 3 fois rien. Go go go! Very good. GG, les poteaux bot lane. Je suis un peu deck, je pense que je pouvais prendre le Draven beaucoup plus tôt, ce qui nous aurait fait perdre moins de temps ici. Là, il y a un Carapateur qui a été pris par vie. Je vais essayer peut-être de venir... Déjà, je vais prendre ça. J'en ai pas tellement besoin, mais ça m'évitera que quelqu'un d'autre le prenne et survive grâce à ça. Bon, du coup, le timing, là, est pas terrible pour le Drake. Je vais aller faire un petit clean jungle. Je ferai le Drake dès que possible. De toute façon, là, la vie... Bon, en 1v1, généralement, je la mange complètement. Faut juste pas qu'elle ait trop de support à côté. Toujours ça qui leur donne la vision, là. Ça, c'est un petit peu embêtant. Je me vois pas trop faire un Drake dans ces conditions. Là, je leur donne ma position, c'est pas top. Je vais quand même essayer. En vrai, je vais poser la pink ici. J'aurais pu la poser un peu plus chez eux. Oh là là. Ok, il y a la botlane qui va forcément décaler. Et là, il y a moyen qu'elle tombe. Hop là, en l'air, bam. Tir au pigeon. Voilà, la botlane qui retourne sur sa lane. Et j'ai juste fait le petit crochet qui me permet d'aller prendre le red buff. Non, j'ai pas trop de vision là, je suis un peu exposé. J'espère que ça va passer sans souci. Ok, tac, et j'enchaîne le Drake. On est bien là. Hein. On est vraiment bien. Ah, ils ont toujours la vision du Carapateur. Ok, je vais pas faire le Drake tout de suite, du coup je vais attendre que ça dégage parce que ça serait trop dangereux. Quoique, hein, la vie était morte, là j'aurais peut-être pu le faire quand même. Là du coup je prends juste le bleu, ensuite le Drake, je le sors. En vrai, je peux peut-être aller bot. J'ai tellement envie. Je regarde, hein. Ah, ils veulent que je vienne. Allez, je vais y aller. J'aurais peut-être... Je suis pas sûr que c'était vraiment le bon choix. Ah, je pense que c'était de la merde. À mon avis, il y avait un free Drake et je l'ai raté, du coup. Et là, je vais me le faire contest. Et putain, j'ai été con d'écouter les calls. C'est trop dangereux, tout simplement. Ok, s'ils veulent y aller là par contre, go. Ok, il y a un flash qui a été lâché en face. Bon, du coup, c'est pas mal. Rentable pour le flash, mais je me suis trop... Attends, laisse-le reculer le Drake, mon ami. On va prendre ça. Ça pourra servir à avoir de l'escape. Moi je voudrais vraiment le Drake. J'aurais peut-être pas dû écouter vraiment leur call tout à l'heure et vraiment rush mon petit infernal. Mon océan, pardon. C'est pas un infernal, mais c'est déjà bien un océan. Hein. Je vais arrêter de trop écouter leur call parce que depuis tout à l'heure j'y vais, je fais rien. Je perds du temps de farm et de la présence sur la carte. Je vais plutôt aller faire un petit tour de clean jungle, essayer de faire un petit kill à droite à gauche. Et je reviendrai les aider parce que malgré tout, ils ont pas l'air si mal. Hein. Ils arrivent à farmer, ils donnent pas des kills en boucle. Je considère qu'ils arriveront à tenir leur lane. En termes de farm, ouais, le Kog'Maw a même 5 scripts de plus que le Draven. Le top, ça dit quoi? Bon, normalement, le champion là, il est impétable en 1v1, voire en 1v2. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? J'aurais pas le temps d'être là à temps, et de toute façon, c'est elle qui les chasse. Bon, je regarde pas précisément ce qui se passe, mais j'ai eu l'occasion de jouer contre une Illaoi récemment au top. Bon, c'est un concept, hein. Alors j'imagine que comme tout, hein, il faut un peu de skill et un petit peu de connaissance du champion pour le contrer, mais quand on connaît pas et qu'on y va en frontal, c'est d'une puissance assez impressionnante quand même. GG. GG top. Bon là je clean tranquillement. Je vais quand même aller back parce que là j'ai beaucoup d'items à récup. Ok, ils veulent prendre le petit crapaud là, il n'y a pas trop de soucis. Je vais rush la Trinité ensuite, hein, assez vite.
Là, je go Tiamat, je go les bots, je vais peut-être prendre. Je vais prendre ça en vrai. La petite brillance qui me mettra un petit burst sympathique. Alors il faudrait que j'aille empêcher la vie de jouer au max. Je vais revenir vers le bot quand même, hein. Je pense que c'est là qu'il y a le plus de choses à faire. Ils ont vraiment envie de jouer, je sens. Alors on n'a pas réussi à prendre beaucoup de fights pour l'instant qui étaient vraiment bonnes. Mais malgré tout, c'était correct. Alors j'aimerais bien aller sur la vie, mais je peux pas être partout, je suis désolé. Go 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 les potes. Petit flash-in qui va proc là sur le Draven. Oh là là, c'était tellement tellement close. Non! J'aurais tellement dû jouer plus agressif à mon avis. Oh, j'ai pas été bon. Je pense que là, j'ai trop voulu leur laisser les kills et ne pas trop m'engager. Je pouvais flash in, hein, j'avais encore mon flash, j'avais le Tiamat que j'aurais pu utiliser pour mettre plus de dégâts, et je l'ai un peu oublié, j'avouerai. Et je suis un petit peu déconcerté de comment ça s'est passé. Bon, il faut pas que je passe trop de temps sur des lanes comme ça qui font des calls sans cesse alors que c'est pas très fructueux. La vie est level 6. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa partie. Je pense que je lui ai fait. Déjà, je l'ai mise mal à la fois dans sa jungle et psychologiquement, je pense qu'elle est un petit peu. Elle a dû avoir quelques séquelles de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Allez hop, on va prendre ça. Bah du coup, on va dégommer sa jungle, hein, tout simplement. Il n'y aurait pas des petits trucs à récup là. Je peux claquer éventuellement le héros de la faille au mid, hein. Je pense que ce sera pas mal. A priori, le top n'a pas besoin de ce coup de pouce. Le Azir, pour l'instant, je ne l'ai pas trop embêté, mais bon, c'est un champion que j'ai un peu du mal quand même à toucher, hein. Avec Udyr, c'est pas le match-up qu'on préfère, hein, très, très clairement. Voilà, c'est exactement pour cette raison que je disais ça. C'est que je prends beaucoup de dégâts. Alors, j'avais encore des summoners, hein. J'étais safe, j'avais de la marge. Je me suis dit, je vais plutôt laisser les dégâts et les kills à mes alliés. Et comme ça, je garde mon flash, hein. Mais j'avais de la marge, hein. Allez, go faire ça. J'ai peut-être mis un peu loin le héros, et encore. On parlait du moment. Putain, là, c'est quoi ce truc? Ça, ce champion, je comprendrai jamais vraiment trop. Par contre, le Jax, hein, c'est vraiment pas du tout un gars que je veux 1v1 si j'ai pas une grosse avance sur lui. C'est vraiment mon counter. Donc j'y vais safe. Je pense que j'aurais pu être un petit peu plus efficace sur la fight ici. A mon avis, j'ai fait quelques erreurs. Bon, malgré tout, on a pris quasiment toute la tourelle. On est quand même bien. Alors là, il y a le Jax, du coup, j'ai récupéré des PV, mais lui aussi. Je vais juste aller défendre la tourelle sans chercher à prendre le kill particulièrement. Oh, je pouvais presque faire un truc là, un petit coup de tigre. Un coup de tigre, un Tiamat, à mon avis, il est fou par contre. Hop, bon. Il le récupère. Non, bah il joue agressif, mais il a l'air d'avoir des bonnes mécaniques, le Jax. J'aurais bien aimé ne pas mourir ici, je vous avouerai, mais c'est pas dramatique. Ça dégage. Je vais bientôt avoir ma trinité. Là, du coup, ce qui est dommage, c'est que je perds le timing sur l'infernal. C'était maladroit de ma part de rester. Enfin, d'un autre côté, je pense que j'avais pas trop le choix. Je pouvais pas laisser la tourelle, mais. Si. Ils me font. Ok, GG, putain, on aurait perdu le Drake. Moi un Drake, c'est ma raison de vivre, hein, sur League of Legends. Tout le reste, pour moi, c'est du cosmétique. Hein. Il y a que le Drake qui compte à mes yeux. Ok, c'est pas ça que je voulais, c'est ça, tac. Oh, allez, on va récupérer le red buff. La vie, je lui mets 32 de farm, pourtant je l'ai pas spécialement... Finalement, j'ai quand même été plus sur des ganks que de la counter jungle, je suis surpris qu'elle ait un tel retard. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa partie, je sais pas. Ok, on va prendre ça. Et après, il faut vraiment pas que je relâche la pression là, hein, que je continue à essayer d'enfoncer la partie par tous les endroits où je peux. Alors peut-être la bot, ouais, il n'y a plus de tourelle bot, je vais essayer d'aller avec eux. Il y a peut-être des kills à prendre. Je vais venir par là. Je sais pas si c'est juste du 1v1, mais dans tous les cas, je pense que je pourrais être utile. Allez hop, le slow. Ah, oh, quel dommage.
J'ai voulu bien faire, mais... Alors toi, par contre, MDR. Hein. MDR, vie, super. J'aurais pu chase le Jax pendant une heure, mais c'est même pas dit que je l'aurais récup. Je me suis dit que c'était pas rentable. Parce qu'il lui suffit d'une ward, un dash, un stun, et je lui fais rien, en fait. Donc il faut parfois savoir... utiliser son temps pour faire des choses sur lesquelles on peut vraiment être utile que de chase dans le vide pour que dalle. Bah voilà, le v'là ici. Voilà, exactement ce dont je parlais. Là je chase pour aller crever. Ok, ouh. Voilà, typiquement pourquoi je chase pas un Jax, parce que tout simplement le champion counter mes mécaniques. Bon, je m'en sors, c'est bien. Je crois que je peux... je vais aller là plutôt, ce sera plus safe. Même peut-être récupérer les petits trucs là. Ok, je vais avoir ma trinité quand je vais back. Ça, c'est pas mal. Je vais changer ma relique pour celle qui déward. Drake Infernal dans 2 minutes 40. Ok. Je prends note. Bon, on a une botlane qui commence enfin à faire des trucs. Elle a eu un début un peu difficile, mais là, j'ai l'impression qu'elle est en train de se remettre bien. On est tous pas trop mal dans notre game là. Tout le monde est bien. J'ai pas mal de farm, pas mal de kills. Illao est un tout petit peu plus en retard, mais le champion fait que de toute façon, elle va peser sans aucun souci dans la game. Et elle peut continuer à farm avec une certaine sérénité. Allez, je vais aller chercher le petit Draven là si je peux. Il y aura également un timing red buff à récupérer chez les adversaires. Il a eu le temps de back là, what the fuck? Le mec back en plein milieu de la lane. J'ai oublié de changer ma relique. Je suis déçu. On a un petit trash là. En vrai, je vais plutôt jouer en mode petite trap. Ok, je pense que je suis vu. Alors là, il y a peut-être moyen de récupérer la vie. Ouais, mais elle va être avec. Avec le poteau Jax qui revient de la top lane. Allez, est-ce que... Déjà je prends ça, est-ce que j'ai le temps d'aller les aider au bot? Là je suis en retard hein, sur la présence dans la fight. En revanche, ça je peux le prendre très rapidement. Normalement en tout cas. Smite à 680 dessus. Hop, toujours bien. On va essayer de mettre la pression avec eux. Ok, il y a de la... Ils prennent la T1 top mais ils perdent l'ennemi mobile en fait. Un peu bizarre leur choix ici. J'ai envie de flash in. J'ai envie de flash in, j'annonce. Bon, c'est pour un trash, mais il y a l'ulti de Lulu qui est tombé aussi. Ah non, il est avec nous, MDR, j'ai rien dit. Bon, le flash pour qu'il le support était, je pense, pas très malin, mais j'avais envie, ça me démangeait depuis un moment. Voilà, la vie, hein, vraiment, ça a été mon bot hein, sur cette partie. Je pense qu'il est temps pour moi de stop le grid, parce que là je peux me faire calmer très vite. Je vais plutôt aller me régénérer tranquillement dans la jungle, enchaîner sur l'infernal, aller split push le bot. Et je pense que la partie va se finir là-dessus. Report V for inting and boosted. Ouais, il y a moyen qu'effectivement son elo soit pas très justifié à la vie. Après, bon voilà, des mauvaises parties ça arrive à tout le monde, hein. Il faut pas non plus crier à l'elo boosting à chaque fois. Mais c'est vrai qu'elle a fait des choix un peu bizarres. Et surtout, moi, ce qui m'étonne, c'est son retard dans la game, alors qu'au final, je me suis pas tellement investi pour l'empêcher de farmer, quoi. J'aimerais bien qu'ils aillent pas chercher les fights comme ça, alors qu'il y a un infernal. Plutôt le sécuriser, je pense que c'est bien mieux. J'ai pas le smite. Mais là, je pense qu'ils sont suffisamment sur la défensive. Je vais quand même me mettre du côté là pour éviter un skill shot ou je ne sais quoi. Ok. Je crois que je vais quand même back là. Ne serait-ce que pour acheter le Deward, ça me stresse quand j'oublie de le prendre comme ça. On peut Nash éventuellement, hein. Ouais. Nash ou continuer à split push et terminer tranquillement la partie comme ça. Ça me paraît être un poil greedy quand même. Est-ce que ce serait pas une occasion de se faire retourner la partie alors qu'on n'a pas tellement besoin de ça? Des fois, les nages comme ça, c'est un peu des calls de merde. Hein. Mais
Moi j'aurais tendance à dire que c'est pas une bonne idée. Allez, est-ce qu'on peut le choper le poteau là? Non. La ward a été posée ici, mais la vie en vrai elle troll, c'est pas possible. Elle troll notre petite vie là. Qu'est-ce qui se passe? Ça fight pas. J'ai bien compris qu'ils veulent faire le Nash, hein, mais... Bon allez, je vais y aller parce qu'ils commencent à me stresser. Là j'ai deux options, c'est soit je mute, soit je fais le Nash avec eux, mais allez, on va dire que... On va dire qu'on y va, je pense qu'effectivement avec, avec le DPS du Kog'Maw, là voilà, on peut se retrouver à perdre des alliés. Et 760, j'ai un truc à faire. Voilà, mon smite était à chier, en fait il est pas parti. On l'a eu, mais un peu ridicule de la part de notre dear jungle, ce smite raté. Allez, là ce serait du grid d'y aller très clairement. Je le sentais pas, je sais pas, je me sentais pas dans ma forme pour ce petit call Nash là. On va plutôt y aller tranquille. Je pense que je vais jouer la sécurité et prendre plutôt de la solidité. Allez, je prends mon truc là. Un peu d'AD. Il y a quand même pas mal de dégâts physiques en face. Hein, donc je pense que plaque du mort, c'est bien. Ça me donne aussi de la mobilité. Je vais aller rush le petit split au bot. Des fois, faut pas chercher à vouloir plier la game trop vite. Hein, à être all mid et à faire un fight raté. Il vaut mieux des fois prendre son temps, aller chercher les tours et les inhib. Et on finit sans prendre aucun risque. Parce que là voilà, il y en a qui tombent. Bon au final ils font suffisamment de dégâts pour que ce soit rentable. Moi j'aime bien mes petits split push. Ah j'ai une petite latence hein. Je l'ai senti la latence au Nash. Je sais pas ce qui se passe. Mais je me suis dit, oh, si je dis que j'ai de la latence, ça va faire le mec qui dit qu'il a de la latence quand il rate un smite. Donc on va s'abstenir, mais je sentais la petite latence là depuis un moment. Bon, c'était très léger. C'était très léger, ça n'a pas eu un gros impact sur la partie au final. Et c'était c'était plutôt propre tout ça, hein. C'était une atomisation complète. Alors là, je sais pas du tout à qui mettre de l'honneur. Je trouve que tout le monde a plutôt été pas mal. Je vais en mettre à Lulu, parce que c'est le support. C'est toujours marrant de mettre de l'honneur au support, mais... Enfin, c'est celui qui donne envie de mettre un petit GG, mais tout le monde a été correct, hein, franchement, dans cette partie, c'était bien. Voilà, donc on a un petit... Oh, deux honneurs. Sympa. Sympa. Moi, j'ai été vraiment très très bien sur une grande partie de la game. Il y a juste à la fin où je me suis un tout petit peu, on va dire, pris les pieds dans mes, dans mes décisions. Voilà, le Nash, bon, j'ai eu une petite latence au Nash. Et puis j'étais en train de split au bot là où effectivement on aurait pu faire le rouleau compresseur au mid. Mais moi, bon, j'ai voulu y aller tranquillement. Et en tout cas, voilà, game vraiment sympathique, qui nous approche un petit peu du plat 2, hein, peut-être qu'on va y arriver, c'est cool. Après, avec Udyr, je sais que j'ai un meilleur niveau que sur la majorité des autres champions, il y en a beaucoup, je suis un peu brouillon. Udyr, c'est vraiment ma zone de confort, hein, je sais que je peux peser énormément dans les parties. Si on regarde un petit peu les dégâts, normalement, aux dégâts infligés, voilà, avec Udyr, hein, je suis quasiment tout le temps premier. Voilà, ce qui traduit un petit peu la présence sur la map, encore que ces chiffres, il ne faut pas leur accorder trop d'importance parce que bah, ça traduit pas l'ensemble de la pertinence de vos décisions. Mais voilà, en tout cas, j'ai été vraiment très actif et la vie, je sais pas ce qui s'est passé dans sa partie, mais là, j'ai l'impression qu'elle n'a pas existé, quoi. Bref, c'était cool, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.